Madame, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous à nos lecteurs et téléspectateurs, s'il vous plaît. Je suis Madame Sangare Mamadia Camara, proviseure au lycée Donka. Voilà, après un mois de grève des enseignants, les cours ont repris ce matin-là. Quel est le constat général que vous avez eu à faire au lycée de Donka, où vous irez? Effectivement, après un mois, un jour, nous avons repris les cours aujourd'hui, Dieu merci. Et à la grande satisfaction de tout le monde. Mm-hmm. Parce que les élèves ont répondu, les professeurs également, mm-hmm. l'encadrement également, à part quelques malades. Oui. Et les professeurs programmés, il y en avait combien et combien se sont présentés? 17 sur 17, sauf deux malades. Mm-hmm. Et la présence des élèves? Les élèves, on peut estimer à 70%. 70% de présence. De présence, oui. Et c'est les 100%. Vous êtes informé pourquoi les autres ne sont pas là? Bon, les raisons peuvent être diverses et variées. Mm-hmm. Avec, je ne sais pas. Oui. Et quel appel avez-vous à lancer aux uns et aux autres aujourd'hui? Et là, c'est avec beaucoup de satisfaction que je demanderai aux parents de faire confiance aux écoles que les enfants fréquentent réellement. Parce que quand un enfant ne vient pas à l'école, c'est la famille qui en est responsable. L'État, à travers les enseignants qui sont sur place, l'encadrement qui est sur place, réunit toutes les conditions pour assurer le bon déroulement des cours, pour que l'avenir de la nation soit préparé. Mais si le parent n'a pas la même hauteur de vue par rapport à l'école, on va s'en dire que les enfants vont rester traînés, venir en retard. Et c'est à cela que nous assistons. Donc, que les parents acceptent, qu'ils comprennent que l'avenir de l'enfant se prépare à l'école.